Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir ensemble une nouvelle leçon, la division exacte. C'est partager une quantité en des groupes égaux, c'est trouver le nombre de parts. Première activité, on veut distribuer une boîte de 36 crayons de couleur entre quelques élèves et à part égale. Si l'on donne 12 crayons à un élève, combien d'élèves peut-on servir? On donne 12 crayons au premier élève. Il reste 24 crayons. 36 moins 12 est égal à 24. On donne aussi 12 crayons au deuxième élève. Il reste 12 crayons. 24 moins 12 est égal à 12. On donne au troisième élève aussi 12 crayons. Ils n'ont reste plus rien, car 12 moins 12 est égal à 0. Donc, dans 36, il y a trois groupes de 12. C'est 36 divisé par 12 est égal à 3. Donc, on peut servir 3 élèves. Deuxième activité. Minnie Mouse cueille 12 fleurs. Elle les met dans des vases pouvant contenir 3 fleurs chacun. Comment chercher le nombre de vases? Elle remplit le premier vase. Il lui reste 9 fleurs. C'est 12 moins 3, 9. Elle remplit le deuxième vase. Il lui reste 6 fleurs. 9 moins 3, 6. Elle remplit le troisième vase, il lui reste 3 fleurs. Elle remplit le quatrième vase, il n'en reste plus rien. C'est 3 moins 3, 0. Donc, avec les 12 fleurs, Minnie remplit 4 vases de 3 fleurs. Dans 12, il y a 4 groupes de 3. C'est 12 divisé par 3 est égal à 4. Et comme la division est la réciproque de la multiplication, c'est 4 fois 3, 12. Troisième activité. Charlotte aux fraises a ramassé 30 fraises. Elle les met dans des paniers pouvant contenir 10 fraises chacun. Quel est le nombre de paniers? Elle remplit le premier panier, il lui reste 20 fraises. 30 moins 10 est égal à 20. Elle remplit le deuxième panier, il lui reste 10 fraises. 20 moins 10 est égal à 10. Elle remplit le troisième panier, il n'en reste plus rien. C'est 10 moins 10, 0. Donc, elle remplit trois petits paniers. Et dans 30, il y a 3 groupes de 10. 30 divisé par 10 est égal à 3. Quatrième activité. Une fleuriste possède 36 roses. Elle prépare des bouquets de 9 roses. Combien de bouquets peut-elle faire? Elle fait le premier bouquet. Il reste 36 moins 9. 27. Elle fait le deuxième bouquet. Il reste 27 moins 9, 18. Elle fait le troisième bouquet. Il reste 18 moins 9, 9. Elle fait le quatrième bouquet. Il n'en reste plus rien. C'est 9 moins 9, 0. Donc, elle fait 4 bouquets de 9 fleurs. Et 36 divisé par 9 est égal à 4. Merci mes amis et à bientôt.